Et c'est Richard, pour un nouvel épisode de Total War Warhammer. J'espère que vous allez bien. Et on va continuer cette campagne de l'Empire, donc avec Karl Franz. Le DLC va sortir aujourd'hui, le nouveau DLC là, Grim and Grave, où il y aura un nouveau héros légendaire pour l'Empire. Et on va pouvoir peut-être le présenter au prochain épisode. Mais pour l'instant, on va continuer un peu ici, voir comment ça se passe. J'ai mis Karl Franz à Schwarzenhafen pour accueillir ces vampires qui voulaient nous tuer avec leur grosse armée. On va voir comment ça va se passer. Mais il faut vite que je me dépêche avec Karl Franz pour monter dans le nord là. Et j'ai une quête à faire. Et je dois aussi récupérer des demi-griffes. Donc je suis en train de faire une nouvelle armée ici. Qui va vraisemblablement être remplacée par le Grimm. Si je peux le recruter directement quand le DLC va sortir. Comme ça on sera direct dans le lore. Et on pourra direct le faire affronter les vampires avec les flagellants et tout ça. C'est ça ceux qui se flagellent, c'est comme ça qu'on appelle. On pourrait aussi les appeler les flagellets, mais ça serait pas la même chose. Et du coup ici on a deux agents aussi qu'il faudrait que je tue avec celui-ci, donc je dois le rapprocher, mais malheureusement à ce tour-ci je peux plus rien faire avec lui. Parce qu'ils sont en train de foutre de la grosse merde ici, la corruption est vraiment élevée et ça m'énerve. Donc hop, je vais devoir un peu faire jouer cet agent-là. Et cette armée de Skellige qui va sûrement piller Carobour, mais c'est pas grave parce que j'ai une armée qui sera prête au prochain tour pour la défoncer. A part ça, le chaos arrive ici dans le Talabek, donc ils vont sûrement aller vers Talabheim d'abord. Donc moi, avec le fort de cuivre, je suis pas obligé d'attendre deux tours. Hein. Je peux déjà, avec Balthazar, me diriger vers Ergig. Alors je sais pas si je vais la reconstruire ou pas, parce que si je la reconstruis, je vais perdre beaucoup d'hommes dû à la truc. Donc je pense qu'on va peut-être juste affronter les armées du chaos avec Balthazar. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, je suis pas sûr, on a du mouvement hein, donc autant en profiter. Je sais pas. Écoutez, on va déjà sortir de la ville, bon je sais qu'il y aura un malus d'ordre public au fort de cuivre mais c'est pas grave. Maintenant qu'on sait d'où vient le chaos, on n'a plus besoin de protéger cette ville. Voilà, moins 4 c'est pas trop grave non plus. Et on va voir avec Balthazar comment on va gérer ça. Au pire on peut se retrancher à Middenheim et reprendre une unité de canon, je sais pas, ah non, Middenheim c'est surtout la cave que j'ai, et voir un peu comment on va combattre le chaos. De toute façon, Talabheim va encore les freiner un peu, et ça me permettra aussi, quand cette armée-ci aura battu les Skellige, de se retrancher à Kemberbad, et de faire un front défensif de ce côté-ci. Je sais pas ce que veulent faire les vampires, peut-être qu'ils vont prendre Vurdbab, je sais pas, mais on va voir comment ça se passe, c'est un peu serré en ce moment-là. À part ça, ça va, je pense, diplomatiquement, c'est un peu calme. Ah oui, et voilà, ici en haut, avec mon armée, donc bon, je vais encore protéger un peu cette région ici. Tuer peut-être cette armée. Et je voulais peut-être, ce qu'on peut faire, c'est aller piller et détruire une des villes là. Un petit raid contre le cimetière des Drakkars ou le fort du dragon des glaces. Juste histoire de leur défoncer une ville pour les freiner un peu. Ou les deux villes en même temps, je sais pas. Mais j'aimerais d'abord attendre que cette armée ici soit morte, parce que j'ai pas envie qu'elle me pille, même s'il leur reste plus grand monde. Donc à Dirschenhafen, comment est la garnison? Elle est pourrie, d'accord. J'ose pas trop quitter la ville, parce que bon, en même temps ils ont pas d'armée. Non, on va rester à Dirschenhafen, on va voir comment eux ils vont bouger. Ils vont peut-être essayer d'aller, de retourner chez eux, donc on peut les intercepter. Sinon pour l'instant j'attends d'avoir l'argent pour faire les murs à Zalsmund. Et ça serait bien de défoncer un peu les villes ici, et puis après d'aller peut-être aider Balthazar avec le chaos, avant de reconstruire la région de Ostland. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça. Et sinon voilà, petit à petit, dès que l'armée sera prête ici contre les vampires, il faut absolument que je me casse avec Karl Franz, parce que j'ai vraiment d'autres chats à fouetter, et je dois aussi recruter ces demi-griffes là. Et voilà, je pense que maintenant c'est la guerre. Et on pourra pas faire grand chose avant d'avoir une petite accalmie. Alors ici on va avoir des réductions de temps de chargement pour les unités d'infanterie, c'est bien ça. Réduction de temps de chargement pour les unités d'infanterie. Ah ok oui, d'infanterie de tir quoi, oui. D'artillerie quoi. Enfin artillerie légère, voilà, les arbalètes et les arquebusiers quoi. Voilà. Et ici lui il est là, d'accord, bon bah on va faire ça. Hein. On va faire ça. Ouais, passons le tour, c'est un peu... Je suis un peu stressé là, le chaos me stresse. En plus cette guerre avec les vampires, mais qui est quand même obligatoire. Je pense que j'espère que le DLC sera inclus dans une campagne, dans une sauvegarde. Comme ça on pourra direct recruter le Grimm et lui il fera le café contre les vampires. Ils ont des unités assez pétées dans le nouveau DLC là, des humains. Les vampires aussi, mais les vampires on s'en fout. C'est une faction de merde. J'aime pas les vampires. C'est vraiment la faction la plus pourrie du jeu, je trouve. Enfin, pour moi, hein, c'est personnel, il y en a qui l'aiment bien.
Je ne tourne pas du tout, hein. C'est juste... De mon point de vue personnel, moi, les vampires, c'est pas mon dada, quoi. Ok, donc eux, ils descendent par là... Ouais. Ah, ils se scindent en deux, ça, c'est très bien, ça. Ça permettra d'être plus facile au niveau du combat pour Balthazar. Ils ont pas pris Woodbad, les vampires, donc ça va, ça nous laisse du temps. Tant qu'on gagne du temps, on est bien, hein. On a juste... voilà, il faut qu'on gagne du temps. Corruption va un peu augmenter là en bas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement cons. Ils attaquent mon armée, les mecs. Ils sont cons, quoi. Par contre, le jeu, il exagère, quoi. C'est bon, c'est... là, je suis refait, quoi. Oh putain, en garnison, j'ai de la Red Guard, quoi. Non, mais vas-y, quoi. Non, mais hop, tu sais quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de bataille, je vais la jouer. C'est bien une petite bataille en début d'épisode, comme ça. Hop, je vais la jouer. Et je vous aurai quelques petites coupures de cette bataille. Peut-être même en live. Parce que c'est une petite bataille à la con, mais je vais la jouer pour m'excuser de ne pas avoir joué la bataille à l'épisode précédent, qui était malheureusement perdue d'avance contre les vampires. J'aurais peut-être eu une victoire à la Pyrrhus, mais je prends pas de risque quand je sais que je vais peut-être perdre. J'aurais perdu tout simplement parce qu'ils avaient un héros, qui était un nécromancien, il me semble. Et quand t'as que de l'infanterie, presque pas de tir, et surtout pas d'unité de cave contre les vampires, et que l'infanterie, le centre, aurait été complètement cassé, puisqu'ils avaient des gardes des cryptes, on se serait fait vraiment défoncer, hein, croyez-moi, on se serait fait des pop. Bon, bah, je place mes unités, et puis on se retrouve, à toi de suite, voilà, d'accord. Hop, la Rage Guard, elle va passer ici, dès que c'est possible. Alors, le mortier va plutôt se concentrer sur les chariots. Voilà, assez bien, là, on les tient, là. C'est comme les moutons, hein, on les attire vers les unités de tir. C'est comme les moutons, hein, c'est exactement comme les border collies, les chiens qui attirent les trucs. Voilà, c'est pour les attirer vraiment vers mes unités de tir. Voilà, ça, c'est parfait, c'est du beau boulot. Bon, on connaît les bails, hein. Bon, alors, ici, pareil, hein, j'ai à faire passer la Rage Guard pour leur faire un peu peur. Ça, ils savent qu'elle est là, et ici, on y va, on les charge, si on y arrive. Ici, hop, on va se concentrer sur les chars. Allez, 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 chope-les. On va les prendre en sandwich, ici. Parfait. Putain, ils vont les charger. Faudra que je me concentre, ici. Je regarde juste deux secondes. Ici, on les tient par la barbichette. Là, j'aimerais bien qu'ils tirent. Il y a un héros ici qui va foncer contre les chars. Non, pas vous, mais merde. Char de merde. Unité de merde. Voilà, ici on tire sur le truc. Le général ennemi est déjà mort. Ta fiole. C'est bien. Et ici on les fait fuir. Je sais pas si je pourrais les rattraper, hein. Non. Heureusement, ils sont trop rapides. On va essayer de les rattraper et de faire le ménage. Voilà, bon, j'ai coupé quelques morceaux de la bataille. Hein. Vous avez grosso merdo vu ce que je voulais faire. Par rapport à ça, le char ici, il faut le niquer. Alors oui, deux secondes. Hein. Les unités tirent, on stoppe le tir, on arrête tout. C'est fini les haricots. Putain, j'arrive pas à les rattraper avec une unité de... éclaireur ici, quoi, c'est ridicule. Ils ont des unités gigantesques qui courent à une vitesse, mais putain, quoi. C'est ridicule. Ils sont beaucoup trop rapides. Ils vont réussir à fuir, quoi. Et ma cave qui est lente. Regardez, j'arrive pas à rattraper les mecs là-bas. C'est ridicule, quoi. Ces unités, elles sont gigantesques, elles peuvent pas marcher aussi vite, quoi. Moi, j'ai l'impression de marcher avec ma cave, quoi. Eux ils sont partis aussi, quoi. Mais non, mais rattrapez-les, là. Oh. Ouais, maintenant, ils vont aller par là. Oh là là. J'aimerais les nettoyer, putain. Ah, ils tirent encore, eux, mais j'ai envie... Ah, mais s'ils ont tir automatique. Bah, tirer, alors, oui. Putain, mais c'est dingue comme ils sont lents, c'est vraiment de la cave ça, ou c'est des mecs à pied, quoi, c'est quoi ce bordel, regarde. Putain, mais c'est ridicule.
Ils vont réussir à se casser, quoi, parce que ma cave, elle fait du 2 à l'heure, quoi. Non, mais c'est pas possible, attendez. Vitesse 54, vitesse 70. Je suis quand même pas... je sais calculer, quand même. Putain, quoi. Mais ce Total War, il est chiant jusqu'au bout, quoi. Putain, t'as même plus envie de jouer avec la cave, quoi. Non, mais... Attila, où es-tu quand on a besoin de toi? Oh, voilà, c'est une bataille vite fait, quoi. Je les ai bien attirés contre mes unités de tir comme des moutons. Mais bon, ils ont encore plein de survivants, parce qu'apparemment, le chaos en vitesse était imbattable, quoi. Les machins, c'est des Usain Bolt, quoi. Les trucs, tu les rattrapes pas, quoi. Et pourtant, cette cave ici de merde, là, que j'aime pas, elle est censée être rapide, quoi. C'est dingue, ils devraient donner des unités un peu plus rapides à l'Empire. Genre de la cave légère, hein, comme ça, comme les Bretoniens. Et ce qui est chiant, c'est qu'ils sont pas tous morts. Ah, une bannière, étendard tranchant, bon. C'est bien. Ah bah ils sont pas morts, c'est ça qui me saoule, quoi. Ah voilà, vous voyez, ils vont rentrer chez eux. On va en profiter pour faire quelques petites actions que ce soit. Hein. Perforation d'armure. Cette force, alliés mobilisés contre cette force. Voilà, donc ils sont mobilisés contre les unités que je leur ai dit. Eux au moins ils obéissent. Là, Archidacre, Albert Stufonov, j'aimerais bien, ma couille, ma biche, que t'ailles vers Wissenland, parce que là-bas, la corruption, c'est pas jojo. Alors, on va s'occuper de ça ici. Faut rajouter des trucs un peu de plus d'attaque. Donc lui, je m'en fous, je vais plutôt m'occuper de lui. 31%, allez, vas-y, tu fais, vas-y. Vas-y, gros, tu vas quand même faire le taf, là. Mais putain, mais c'est dingue, en LP, j'arrive pas à buter un putain d'agent, quoi. Je vous jure que dans ma campagne off, c'est 50-50, quoi. Des fois, je réussis pas, mais des fois, je réussis, quoi. Je veux dire... Putain, mais en let's play, quoi. Mais laisse tomber, quoi. Le mec, il fait rien. Rien. Bon, ici, on arrive quand même bien à gérer la corruption. Je sais pas ce qu'il fait là, le pauvre. Voilà, ils sont partis. Ils vont me faire chier, maintenant, eux. Je peux recruter encore des trucs, ici, à part ça, ou je me touche... Parce que du coup, les vampires, maintenant, ils vont revenir. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent. On va aller à Lemote. Lemote. Voilà. Et ici, je peux rien recruter, malheureusement, parce qu'à Lemote, il n'y a pas de truc... faudrait peut-être qu'avec Alfrance, je monte et que je défonce cette armée. Moi, j'aimerais partir avec Alfrance, c'est le problème. Et à Lemote... Ah, vous savez quoi, les mecs? Vas-y, j'ai encore besoin d'hommes dans cette armée. Qu'est-ce que je vais encore prendre? Deux tirs, et ça. Voilà, on booste. Bon, ça, on gagne quand même un petit peu d'argent. On n'est pas non plus à la dèche, quoi. Voilà, eux, ils ont gagné un rang. Donc, on va le faire chef charismatique. Il a l'étendard tranchant, donc moi, ça me va. Taux d'imposition, province locale. Tiens, vas-y, ouais. Ça fait péter. T'es un bon général, toi. Chance de trouver des objets magiques, plus 8. Bon, je vais pas le refiler à toi, ça. Ah, est-ce qu'il a peut-être un stuff qui peut prendre une vieille épée pourrie ou... Puissance d'arme, lame géante. La lame géante. Mais c'est pas Karl Franz qui l'a, celle-là. La lame géante, je vais plutôt la donner à Bisounours, ici, quoi. Ah non, lui, il a la lame en obsidienne, lui. Mais, lui, il a ça, parce que de toute façon, Balthazar, il fait pas trop du cac. Mais Karl Franz, il a quoi, lui? Ah bah oui, il a Kalmaraz. Bah oui, c'est lui qui avait la lame de... Mais du coup, bah, vas-y, bah, tu peux la prendre, alors, Coco, vas-y. Vas-y, tu peux la prendre. Voilà, et objet enchanté, rien. Capacité couronne de commandement, c'est quoi, ce truc? Il est moralisable. Ok, bah ça serait peut-être mieux pour l'autre armée, pour l'armée de plus tard, de trucs, du Grimm, si je peux la recruter. Voilà, et vous allez finir ces mecs. Au plaisir, hein. Dégâts tranchants, on va leur donner à lui, voilà. Voilà, merci, au plaisir, au revoir, bisous. Joyeux Noël. Voilà, eux, c'est fini, quoi. Rendez-moi mon flou, ce que vous m'avez piqué. Et pourquoi pas, objet magique. Oh, un anneau de rubis des ruines. Explosion, putain, ça donne des... Ah, ça fait la boule de feu. Ah, oh, c'est l'anneau qui fait la boule de feu, ça s'est pété, ça. Ah, tu pourras la garder, cocotte. Vas-y, voilà. Comment c'est l'ordre public ici? Ça va? Ça se passe bien? On le vit bien, hein. Franchement, on a réussi à
stabiliser la stabilisation de la région. Alors si eux ils se split, c'est génial parce qu'il y aura plus qu'une seule armée du chaos que je vais pouvoir vaincre avec avec Balthazar. Donc on va pas reconstruire la Ging, vous savez pourquoi. Et je vais soutenir mes amis du Wissenland à Talabheim. Fort de cuivre, on s'en bat le steak, hein, ça avance. Eux, ils vont rentrer chez maman. Donc à partir de là, moi je vais mettre tout mon flouze dans le mur ici. Ça coûte cher, je sais. Et ici, je pourrais même déjà améliorer le village côtier. Pour avoir une garnison ici, ça pourrait être pas mal. Allez hop, vas-y. Vas-y. Et est-ce que je vais piller direct une cimetière de Drakkar ou je détruis direct une ville? Je pourrais le faire. Le problème, c'est que la région sera pas très bien protégée. Même s'il y a cet agent ici qui peut rester là, hein, il n'a pas besoin de venir avec. Parce que je pense que voilà, cimetière de Drakkar et l'autre, ça va, ils ont pas de mur déjà de 1 et puis ils ont pas tellement de garnison. En fin de compte, je stressais pour rien. Il me semble qu'ils ont moins de garnison au fjord du dragon. Fjord du dragon de glace. Ça me fait penser au fait, le style au fait, c'est. Bah, c'est le nouveau World of Warcraft qui a copié, hein, bien évidemment, mais. Je sais pas s'il y a des joueurs de WoW, mais quand vous arrivez en Nordfendre, dans la toundra boréenne, vous voyez les factions vikings, un peu vikings chaotiques qu'on voit là, avec les bâtiments et tout, super beau. J'ai adoré cette région là. Et ça me fait vraiment penser à eux, quoi, quand je vois les noms et tout ça, le style. Et bien évidemment, tout ça vient du lore Warhammer. Du lore Warhammer. C'est Warcraft qui a copié du coup. Donc, est-ce qu'on tente d'aller piller vite fait? J'ai pas d'armée ici, on est safe plutôt. Ah, et puis il y a les nains derrière, oh génial. Bah écoutez, on va aller à la fjord du dragon des glaces. Ah, il veut faire carrément le tour par là, lui. Mais si tu vas en mer, cocotte. Voilà, là on est en mer. Bon, malheureusement, ça fait baisser l'ordre. Et combien de temps il te faut alors pour... Ah, il te faut quand même un tour pour aller piller. Mais on peut pas piller par la mer. Oh, bah, allons-y, on verra bien. C'est comme ça qu'on découvre les choses. Ah, on perd des hommes ici. Ah, on peut direct attaquer, bah, ça c'est bien. Vitesse plus 20%. J'ai pas de cave dans cette armée. Ouh, c'est pas bien ça. Vitesse plus 20% pour les unités de canon, tu sais. Genre le canon il se déplace plus rapidement, quoi. C'est pas con en fait. Je sais pas s'il a un cheval, Bruno. Mais on va lui donner à lui. Donc là, on va le faire en automatique, on va pas se faire yèche, quoi. Voilà. Victoire défense. Voilà, maintenant... Ah, la vengeance, hein, bande d'enculé. Qu'est-ce que ça fait de se faire défoncer la gueule, hein? Alors, je sais pas combien ils nous ramènent au pillage, les mecs. On va voir ça tout de suite. Hein. Voilà, obtenu, voilà. Oh, 4200, quand même! Ces petits bleds pourris, là! Oh! Bah, du coup, je vais pas cracher dessus. Et au prochain tour, on l'a détruit. Bon, le problème, c'est qu'on perd des hommes, et je peux pas mettre en mode camping, mais c'est pas tellement grave, au fait. Je vois pas qu'il y a pas de stack à eux, là. Mais putain, ça rapporte, hein. Ça rapporte, hein. Sortage de Sigma, résistance au projectile, là. Bah tiens, je lui ai donné le cheval, dès qu'on en parlait, là. Brune Greber. Et il me semble que j'ai une compétence ici pour les... Usure moins 10 de perte d'usure en haute mer, non. Usure moins 10 de perte d'usure en haute mer, non. Non, c'est pas la haute mer, mais je sais qu'il y a un truc d'usure, là, qui est pas mal. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a chopé, je vais voir. Usure victime de toutes les usures. Voilà, tu vas prendre ça. Ça nous permettra de freiner un peu l'usure. Et tiens, tu peux prendre la couronne, tiens, voilà. Voilà, mais on est bien là. Ah, ça y est, on gagne du fric maintenant avec ces putains de connards là. T'es fou, gueule, enculé. Alors ici, je l'ai déployé tout simplement pour que ça fasse moins cher les prix. Hein. Vous voyez bien que c'est moins cher. Par contre, oui, autant en profiter maintenant qu'on a le flouze. Bon, le mur à Marienbourg, ça peut encore aller, mais j'aimerais bien en faire un ici au cas où. Quoique, 3200, on pourrait développer Grunbourg pour le truc de cheval. Ah non, 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 puisque si le chaos arrive de là, et s'il y a des vampires à côté, je vais me hâter de mettre le corps de garde au niveau 2. C'est important. Voilà, ici. Là, non. À Lemout, je vais faire ça pour gagner un peu plus d'argent. Voilà. Comme ça, on utilise notre argent d'une façon intelligente. Et on verra avec le DLC si je peux recruter direct ce général spécial là. Et il est spécial. Et donc, cette armée va aller à Kemmerbad.
Donc en fait non, je vais pas construire ce mur à Kemmerbat, parce que si l'armée y va, on sera plutôt sécurisé. Ici il y a le truc de cheval là, que je voulais développer, donc je vais vous montrer. Hein. Je voulais reconstruire le bâtiment qu'ils m'ont détruit, c'est-à-dire ce ça. Écurie d'éleveur de chevaux. Mais c'est pas non plus la chose la plus importante. Alors où on améliore Gorsel. Où on garde notre fric pour le truc de garnison ici. Donc je vais faire une dépense pas trop chère, donc je vais faire ça. Voilà. Et le reste de l'argent on va garder parce que je vais devoir faire des murs au fort de cuivre. Et ça va me coûter un bras parce que j'ai pas d'agent déployé. Et puis on détruira le fjord du dragon des glaces là. On a quand même la batterie tonnerre du TK qui est quand même déjà au niveau or. Quoi. Les nains nous saucent, c'est bien. C'est super, ben on est bien là. Alors j'ai juste envie de me casser avec lui ici. Mais je vais attendre d'avoir une armée digne de ce nom et puis on va échanger et puis on va voir comment ça se passe. On verra si au prochain épisode on pourra prendre le Grim. Ça sera vraiment bien au niveau du lore aussi, parce que c'est vraiment ce qu'il a fait, quoi, se battre contre les vampires. Donc lui j'aimerais bien le mettre patriarche plus tard. Ok, donc ça c'est bon. On est bon, hein, niveau 18 déjà avec Cœur France. La recherche encore 4 tours. Et bah écoutez, on va passer le tour. Je regarde juste niveau diplomatie. S'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Au niveau du commerce, on est quand même déjà bien. Les nains avaient déclaré la guerre aux principautés. Comment ça se passe avec Marienbourg? Amélioration, détérioration avec la Bretonie, mais ça c'est pas grave. Voilà. On est rang de force 2, je sais pas pourquoi, je crois que les orques ont pris le truc, ouais. Ils ont dû reconstruire leur ville à la con là en bas, on va voir. Ah non, même pas, tiens. L'œil trouble, ils sont en guerre avec les trucs. Non, mais ils s'entendent pas bien avec eux, donc c'est bien, les orques au moins ils sont freinés pendant un petit bout de temps. Et je vais en profiter encore peut-être pour essayer de tuer cet agent vampire. 12%. 19%, c'est pas glorieux. Et mon mage, il fait quoi? 22%, ouais, bof, on va laisser faire un peu. C'est pas très jojo tout ça. Hein. Mais le vampirique baisse bien, on est bien. Bien, passons le tour. Dernier tour pour cet épisode. Normalement, là, ça devrait quand même le faire, quoi. Alors, les vampires se cassent vraiment là. Je sais pas pourquoi. Ils viennent même pas se confronter à moi. Peut-être à cause du chaos. C'est bien, ils sont. Ah, mais c'est. S'ils se switchent comme ça, c'est génial. Parce que je vais pouvoir aller m'occuper de Iber Rogus le Nas, là. Rogus le Naz. Et les nains qui sont là. Hein. Les nains sont là. Les Skellige, ils stressent. Alors là, ils ont un agent. Je sais pas s'il va faire quelque chose. Ah non, il se casse. Et les Wag. Regardez, eux, on va pouvoir les saucer. Alors, Confédération. Oh putain, ils ont fait une Confédération. Ta mère. Pourquoi ils les aiment pas, mais ils acceptent de faire la Confédération? Je comprends pas. Ça n'a aucun sens, quoi. Bon, ici, ça monte beaucoup trop la Coru, quoi. Alors ici, elle baisse bien, on a 21, on a bien fait, on a bien baissé le truc. Je vais quand même envoyer mon armée là-bas, hein, parce que c'est pas safe du tout, quoi. À part ça, lui, il va retourner à Wissenbourg, parce que là, la corruption, elle augmente trop. Et j'arrive pas à tuer ces mecs, hein. Putain, regarde-moi ça, quoi. Bon, ça va, ça monte plus, parce que il est archidacre, lui, donc ça devrait aller. Ouais, j'ai une petite armée ici, ça sera l'armée donc du Grim si on peut la recruter, encore une fois. Tu vas à Lemout. Et toi tu vas à Schwarzenhafen. Tu peux pas y aller direct ça? Merde. Je vais devoir faire de la marche forcée. Est-ce qu'on perd des hommes ici? Je peux pas rester dans la tombe, dans la pampa comme ça. Ah, quelle merde. Bien. On va développer la ville ici au niveau... Pour avoir la meilleure garnison possible hein, dans la frontière là. Quoique à Lemot, dans Lemot je peux pas encore. Et Karl Franz va tout doucement remonter. On va d'abord voir si on peut récupérer le Grim ici. Ça peut être pas mal. L'ordre public remonte. Hein. Karl Franz est dans la place. Ok, là on voit les vampires remontent. Ok, ici on a le temps un petit peu. Ici on va mettre une armée, donc c'est pas trop le stress. Fort de cuivre on a réussi, donc on va tout de suite faire le mur pour être safe de ce côté là.
Et pourquoi pas faire la mine de cinabre, je sais pas du tout. Merci pour les informations du fort de cuivre. Hein. Moi, je pensais, je le voyais pas sur le truc du lore, mais apparemment ça existe. Et Talabai m'est quand même bien protégé, hein, donc je m'inquiète pas pour cette ville. Mais j'ai quand même envie d'attendre que le chaos se rapproche légèrement, donc on va rester là avec Balthazar. Et on va les accueillir au prochain épisode, grosse bataille. On aura peut-être le Grimm qui viendra aussi, c'est cool. Et ici, la vengeance est un plat qui se mange froid. Bande d'enculés. Voilà, donc déjà tu me donnes un peu de flouze, hein, histoire que voilà. Et puis on rase cette merde. Et voilà, bande d'enculés. Alors la prochaine fois, vous cherchez des noises avec l'Empire. C'est la mort, bande d'enculés. C'est la mort, vous comprenez? Bon, une sorte d'usure des victimes de toutes les usures. On va monter ça. Voilà, comme ça on perdra le moins d'hommes possible pour qu'on puisse rentrer à la maison. C'est chiant cette usure ici. Je crois que c'est le froid, hein, cette usure. Le froid, oui, c'est le froid. Et puis on rentre à la maison. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça, on se sent libéré, délivré. Plus jamais je ne mentirai. Ou jamais je mentirai-je. Mentirai-je. Alors ici je sais pas ce que je vais construire. J'ai plus trop l'argent pour faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, mais je peux faire ça ici pour la reconstitution. Ouais, bof. Bof, 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 bof. Bof, 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 je sais pas. Je veux construire encore un dernier truc avant qu'on se quitte. Mais je ne sais quoi. Alors, où on va faire ça pour l'argent? Parce que voyez-vous, j'aime l'argent. Et sinon, je sais pas trop. Bon, alors, où on garde le flouze, hein, je pense qu'on va le garder. On va le garder, on reviendra ici, on se reconstitue un petit peu et puis on va détruire la deuxième ville. Moi, je vais détruire ces trois villes ici. Belle la banquise et tout ça. Comme ça, ça va bien les calmer, ces enculés. Et on va pouvoir petit à petit reconstruire le nord. Parce que je pense que Balthazar, il va s'en sortir avec le chaos ici. Hein. Surtout s'il split comme ça, les deux cons. Ça pourrait le faire. Wissenland, c'est un port constitué, c'est cool. Et à Camberbad, il y aura une défense digne de ce nom. Donc on ne s'inquiète pas, hein, franchement. Et puis on va pouvoir faire enfin cette quête du cours unique. Voilà. Je pense que ça se joue. On pourrait même tenter au prochain épisode, vu que à Talabai il y a une bonne garnison et que Woodbad s'est bien reconstitué. On pourrait tenter la confédération. Ah ben je dis monsieur, madame, le Wissenland est dans une position plus trop PLS. Ils ont une stabilité commerciale bien, voilà, le vampire qui n'augmente plus. Leurs villes sont stabilisées entre guillemets. Si on peut faire une confédération, on aura les territoires qu'on voulait, c'est-à-dire tout ça, et on pourra tout de suite se battre contre le chaos. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. On pourrait tenter la confédération au prochain épisode. Et puis on aura presque tout l'Empire, en fait. Enfin bref, on verra ça. J'espère que vous allez encore passer une bonne semaine et que la rentrée, normalement, ça a commencé. Mais j'imagine que vous commencez la semaine prochaine. Hein, c'est quand même, ça serait dégueulasse de commencer au milieu de la semaine. Et en tout cas, je vous souhaite encore de profiter d'un bon week-end et la sortie du DLC qu'on va peut-être, du coup, voir demain si on peut recruter ce fameux Grimm qu'on pourra mettre dans Star Messi et voir les nouvelles unités. Ce sera une petite présentation dans la série de ce nouveau DLC. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Rich, laissez pas les likes, les commentaires et vous abonner si vous le souhaitez, bien évidemment. Tout ça n'est que du souhait très grand. Je sais moi-même que je fais pas des vidéos parfaites. Je sais que des fois vous êtes vous ragez derrière votre écran. C'est le but. Je suis pas parfait, je le sais très bien. Mais n'hésitez pas, bien évidemment, à me faire des critiques dans les commentaires, puisque c'est ça qui fait évoluer, n'est-ce pas, Jamy? Encore une bonne journée. C'était Rage Ludus. Au revoir, Sigmar!